Et donc, salut à toutes et à tous, c'est Dazer. On se retrouve pour la suite de Madou Monogatari Big Kindergarten Kids. Voilà, j'ai dit le nom entier, vous êtes contents? Et pour cette vidéo, je ne serai pas seul, vu que je serai accompagné d'une tablette de chocolat crunch. Voilà, et chocolat blanc, hein. Attention, un peu de respect. Je viens de me rappeler que je déteste le chocolat blanc. Donc alors, les gens, dans la dernière vidéo, on s'était retrouvé dans cet endroit, donc souvenez-vous. On est venu ici parce que c'est là que se trouvera la dernière. On regarde la map. Voilà, vous voyez, on est juste à côté de la dernière pierre qui nous manque. Donc on a bientôt les 7 pierres, je crois, ou 6. Donc on était venu là parce que. Putain, la musique est cool ici. Écoutez un peu la. Mais on était venu. Je dis écoutez un peu la musique, mais je parle en même temps. Donc on était venu là justement parce que c'était un mec qui nous avait dit que ouais, on pourrait récupérer la pierre ici, mais qu'il fallait lui ramener des trucs. Donc on a fait une quête d'échange à la con. Et nous voilà ici. Donc voilà, Monsieur Dragon, youhou, je suis Arl. J'ai quelque chose à vous demander. Oh, il est classe ce dragon. En fait, c'est l'autre. Mais c'est quoi cet agresseur là? Ouais, ok, j'ai pas trop eu le temps de lire ce qu'il disait. Sacrilège, il y avait un mot chelou au début. Tu es la seule qui vole. L'œuf de libellule, blabla, mon cul. Ah oh, ouais, Didit, blabla, ah, c'est génial. Ah, il veut qu'on rende en fait l'œuf de. L'œuf qu'on a volé. Mais le problème c'est qu'on l'a plus l'œuf. Ouais bon, il nous dit qu'on peut pas le rendre quoi, blablabla. Ah là là, moi je mange un morceau de crunch. Très bien. Couillon. J'espère qu'il est pas trop fort. On va se mettre un boost déjà. Alors déjà j'aime pas beaucoup parce qu'il est plus fort que nous. Enfin il est plus rapide que nous, pardon. Non, c'est une blague. Attends, elle est pas déjà autant épuisée, hein. Non, mais c'est une putain de blague. Me dites pas que je vais encore devoir me faire un boss en mode... J-Gem. Attendez, mais c'est une blague, là. Non, 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 mais non. Mais mes stats sont à fond. Qu'est-ce que vous voulez de plus, putain? Qu'est-ce que vous voulez de plus, bordel? Ah, qu'est-ce que je peux faire? Bon. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Ice is time! Oh là là, oh, ça va pas le faire. Hein. Faut que je le rende con vite. Désolé. Voilà. Au moins ça arrête direct, enfin ça attaque direct. Bon, est-ce qu'on tente les jeux de gemmes? C'est quoi? Je sais que c'est de la triche, mais... J'en ai marre des boss qui sont pétés, là. Bah voilà, c'est pas ce que je pensais. Donc là, on va sûrement revenir à la vie grâce aux gemmes. Voilà. On va la refaire, jeux de gemmes. Putain, mais il est chiant! Il est trop pété! Oh non, en fait, c'est juste notre attaque apparemment qui est pété. Bon, là, le gem a fail, donc je vais recharger. Donc, tant qu'à faire, vu qu'on revient avant la mort. Voilà. Je sais que c'est de la triche, j'en suis désolé, j'avoue que c'est pas très fair play de ma part. Mais sincèrement. C'est quoi ces boss pétés en une attaque, quoi? Bon, alors là, par contre. On va le re-rendre con. Voilà, bon, là, je fais un peu en boucle les mêmes actions, histoire d'au moins récupérer toute ma barre de vie. Parce que sinon c'est un peu risqué. Voilà. Il m'a fait mal là. Alors du coup on va refaire une save set à cet emplacement là du combat. Je sais que c'est de la triche hein, mais vraiment je m'en excuse hein, mais je suis à bout là. Allez ne... Ouais c'est bon, il y a pas moyen de shooter. En fait ce boss là apparemment faut beaucoup jouer sur le fait qu'il doit charger son attaque. Bon le GM a fail donc je charge. Et donc je me dis que c'est un coup où je peux plutôt attaquer plutôt que de gaspiller un GM vu que. En fait ouais le GM j'ai compris que. Il marche aléatoirement, mais en fait, il décide s'il marche ou pas à partir du moment où on arrive sur ce menu-là. Bah, si je clique là et que je vois qu'il marche pas, bah, si je fais un save, enfin, si je recharge ma save state, je sais qu'il marchera toujours pas, quoi. Voilà. Ça dépend des tours, en fait. Donc là, on va le. Voilà, glace. Voilà, blablabla. Donc, du coup, là, je pense que je peux refaire une save state. Hop. Ça, on va jouer comme ça tout le long, je suis désolé, c'est très déloyal, mais bon. Que voulez-vous?
Voilà du... Ah mais non, arrête de fail. Bon, elle veut pas. Si je t'envoie du feu. Bon voilà, comme ça tu m'envoies aussi du feu, on est deux, c'est cool. Alors, on va refaire du gem. Est-ce que je refais... Ah non. Pas de safe state tout le temps quand même. Ouais non, en fait c'est surtout une... Ouais non, c'est un boss normal, mais il y a une de ses attaques qui est pétée. Oh putain, mais c'est chiant de fail. Faut dire qu'elle est pétée la magie, donc je peux comprendre dans un sens. On va accélérer un coup quand même. Voilà. Bon là on va faire une safe tête quand même. Parce que j'ai envie de retenter un judge gem. Ah non, pas sur l'emplacement 3, bon c'est pas grave. Voilà, judge gem, tu veux pas le sortir, c'est parfait, on va faire autre chose. Vous voyez, le judge gem sort trop rarement. Alors que putain, dans la vidéo que j'ai vue où le mec faisait le jeu en 5 heures. Bon, je suppose que c'était un speedrun, mais j'ai pas trop, je me suis pas trop renseigné en fait, c'est sur YouTube. Le mec, dedans, c'est du gem, il ratait jamais. Hein. Donc voilà. Donc je pense que c'était un tool assisted speedrun. Ah bon, on a compris. Ah, arrête de le faire, s'il te plaît. Là il a chargé donc on le rend compte. On va se soigner un coup. Bon là vu qu'il me lance plus d'attaque pété. Apparemment en fait il avance qu'au début du combat. Je pense que je vais jouer un peu plus loyal. Juste la dernière safe state au cas où. Voilà. Voilà judge. Oh, cette attaque là elle est à déchirer quoi. Yeah. Merci judge. Tu es plutôt fort. Ahem. Qu'est-ce que tu veux, Monsieur Dragon? Est-ce que vous avez une pierre secrète, n'est-ce pas? Blabla. S'il vous plaît, donnez-la moi. Une pierre, enfin la secret stone. Je vais te la donner, mais premièrement, tu dois retourner ramener l'œuf de libellule au Dragon Gravière for me, blabla. Quoi? Même si vous avez perdu, vous me demandez une condition. Je vous ai battu de façon fair play, jouez bien. Tu as vraiment besoin de la pierre, n'est-ce pas? Je suppose que je n'ai pas... Ouais, je suppose que je... Ok, ouais, bon. En gros, faut ramener la pierre. Enfin, l'œuf Firefly plutôt, mais la question c'est comment on va le retrouver. Comment on va retrouver l'œuf? Je dois vous avouer que là... Oh putain! Regardez! Dans notre force, il y a écrit plutôt effrayant. C'est marrant ça. Bon. Du coup, notre mission actuelle, ça va surtout être de retrouver le... Le gars à qui on a donné l'œuf. Sachant que j'étais un marchand, ça m'étonnerait pas en fait qu'il soit dans une boutique. Oh putain, quel con. Donc le but, ça va être de retrouver cette petite boutique. On va aller en haut. Donc là, je vais devoir explorer comme un bâtard. A tout hasard, il est pas revenu là. Non. Sinon, pour la technique qui m'a donné Colibri de... D'appuyer sur LR pour zapper les combats. Je me demande si en fait faut pas rester appuyé sur LR avant que le combat se lance. Je vais tester ça. Mais bon, de toute façon, dans sa solution, il précisait que c'était sur les ennemis faibles. Donc je suppose que. Que les ennemis que je veux combattre sont trop forts pour ça, quoi, tout simplement. Donc bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, j'ai l'accélération, ça marche tout aussi bien, j'ai envie de dire. Puis de le perdre des cas, je peux demander à la petite fille de jouer de la flûte, ça provoque le moral. Enfin bon, on n'a pas trop le choix pour le moment. On va sortir d'ici et on va aller je ne sais où. Parce que là, je dois vous avouer que... Je sais pas trop où je vais aller, quoi. Déjà, on sait une chose importante. Attendez, est-ce que mon micro est allumé? Ouais, c'est bon. J'ai eu peur l'espace d'un instant. On sait une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de retourner au machin gravier pour le moment. Étant donné que pour y retourner, il faut qu'on ait d'abord l'œuf. Et l'œuf, bon, on n'a pas vraiment actuellement. Donc merde, faut que j'essaie de rester appuyé sur L et R au début du combat. Donc là, on va tenter la L et R, ça fait rien, on est d'accord. Là pareil.
On va spammer des grosses attaques et on va voir comment ils réagissent. Enfin, comment ils réagissent. Je me doute qu'ils vont perdre, hein, mais bon. Ah merde, je les ai. Bon, pas grave. Donc là, je vais rester appuyé sur R. Ah merde, mais en fait. Bon, on verra. Voilà, j'appuie sur L et R comme ça. S'il y a un ennemi, bah. Eh, ça marche! Ah bah, merci pour la technique, Colibri, hein, voilà. Bah, merci beaucoup. Ah, ça, je l'oublierai pas, t'inquiète pas. Allez, tu m'aides beaucoup là. J'aurais. Attends, oula. Pardon. J'aurais voulu le savoir beaucoup plus tôt, mais bon, mieux retard que jamais, j'ai envie de dire. Mais maintenant qu'en fait, tu le dis, il me semble que je l'ai déjà fait sans le faire exprès à un moment dans le jeu, en fait. Genre, j'appuyais sur R sans tilter et ça m'a tué un ennemi, en fait. Parce que j'ai souvenir d'avoir eu un flash blanc comme ça. Alors, donc là, on va fouiller. Je crois que c'est ça. Ouais, il y a Firefly. Oh non, j'ai pas le fric! Qu'est-ce que je peux vendre? Ah, ça vend 901 cette fleur, c'est quoi? Faut que je vois ce que c'est cette fleur. Cotton Ball Grace. Augmente votre défense. Ouais, on s'en fout à la limite, vous voyez. Ça, on garde. Ah putain, ça va être chiant ça. Bon, bah, du coup, déjà, ça est quoi? On va déjà revendre le machin qui augmente notre défense. Voilà. La baguette là. On est d'accord que j'en ai pas besoin, donc normalement, oh, c'est bon, voilà. J'ai assez. Voilà. Et maintenant, on va faire le chemin à l'envers. C'est génial, hein? Non? Eh ben, c'est normal, c'est chiant. Non, là, les allers-retours, je vous avoue que c'est pas vraiment le top, hein. C'est vraiment... Je les trouve pas super utiles, en plus, hein. Le dragon aurait pu nous filer directement la Secret Stone, quoi. Il fait un peu son relou. Allez, maintenant j'ai plus peur de vous les combats. Je vous one-shoot avant même que le combat commence. Et donc du coup, si on regarde la puissance de Arl. Ah, qu'est-ce que tu... Est-ce que ça peut augmenter plus que le maximum? Parce que là, je sais pas. C'est aller à fond, donc qu'est-ce que tu me veux? Enfin bon. Dépêchons-nous, on va s'en... Ah. Voilà, c'est bien parce que maintenant quand il y a le combat, tu te dis ah mais non, mais je m'en fous en fait, parce que je l'ai one-shoot. Enfin bref, du coup on va se dépêcher de ramener l'œuf de Libellule. Non là j'ai pas grand chose à dire sur le chemin, limite si j'y pense au montage je vous couperai ça. Alors limite j'aurais même pu faire line coupure via le l'objet avec lequel je filme là sur Camtasia, mais bon. En fait je me dis maintenant que les combats ils passent en un clic. Est-ce que ce jour-là, ça va pas vous tuer, hein, un petit peu de combat en plus? Parce qu'en plus, on a bientôt fini le jeu, donc... Voilà. Ah merde, il y avait un mur, ok. On a bientôt fini le jeu, donc à la limite, j'ai envie de dire... Pff, voilà, ça va pas vous tuer deux, trois petites phases de marche. Hein. Voilà, toi. Salut Earl, qu'est-ce que tu fais ici? Grande pas est devenu énervé, blabla, tu vas devenir ici. Ah, c'est ma faute, je suis désolé. C'est ok, t'inquiète pas à propos de ça. So, est-ce que tu as obtenu le Firefly, l'œuf Libellule? Oui, je l'ai, merci, blabla. Et on le remet. Donc, reviens et joue avec moi, ok? Oh putain, attends, c'est une blague. Il faut que je retourne voir le père pour aller chercher le. Pour avoir la sacrée. Mais c'est une blague ça? Là par contre je vous avoue que j'ai envie de faire une coupure mais j'hésite. Parce qu'encore une fois justement je me dis ah là là mais c'est qu'un petit peu de chemin. Puis en plus on est bientôt à la fin du jeu, on va éviter de trop rusher. Voyons, on est déjà à 14 minutes de vidéo, on va avoir la dernière Sacred Stone. Quoique dernière je suis pas sûr parce que souvenez-vous que il me semble qu'il y en avait 8, c'est ça, et moi j'en aurais 7. Et justement la question que je me pose c'est la dernière, est-ce qu'elle est vraiment dans l'école? Parce que souvenez-vous que j'avais supposé un truc comme quoi dès qu'on aurait les 7 secrets Sacred Stone, on aurait accès dans l'école à la dernière gemme, enfin à la porte dans la librairie. Mais en fait, en avançant dans le jeu, j'ai récupéré des gemmes de plusieurs couleurs et ils me disent qu'il en faut 7. Donc, en fait, je me demande si c'est pas ces gemmes là plutôt qu'il faut et pas une Sacred Stone. Enfin, les 7 Sacred Stone. Attendez, je me paume complètement là, mais où est-ce que je suis?
Ah ok, je vois où je suis. Ok, lui je l'avais déjà. Donc du coup, ouais voilà, si... Le problème c'est que j'ai pas les 7 gemmes. Donc s'il y a vraiment... S'il y a vraiment une sacred stone derrière cette porte qui n'est pas indiquée sur ma carte, ça va vraiment me faire chier parce que... Ah parce qu'il me manque des gemmes et j'en ai même pas la moitié il me semble. Sachant que je sais pas où sont les autres. Et pourtant je suis sûr d'avoir bien exploré le jeu, vous avez vu, on a fait ensemble, enfin... Vous avez vu. Si vous avez regardé les vidéos, bien sûr que vous avez vu, mais... Voilà quoi, j'ai pas l'impression d'avoir rushé le jeu ou quoi, j'ai l'impression d'avoir plutôt bien exploré. Je vois pas où j'aurais pu en rater, donc ce serait Solus quoi. Et ça me saoulerait de réutiliser une Solus encore. Pour la deuxième fois dans ce jeu. Bon, même si j'avoue que j'aurais bien... bien lutté avant de trouver quoi faire, mais sérieux, le monstre à battre sans jus de gemme là, l'espèce de... la plante Mandrake, c'était pas possible. Ah quoi que si, dans les coms on m'a dit comment faire en fait, apparemment fallait le... Fallait utiliser du vin, fallait lui donner du vin. Quand t'as du vin sur toi, tu peux lui en donner en fait. Et là, il te... Il fait quoi? Ah oui, il nous file directement la fleur dont on a besoin. Donc ici, il n'y a pas de commande, donc je vais accélérer un coup. Voilà. Qu'à faire. Perds pas de temps. Hop. Voilà. Et on ramène le Firefly, la machin. Enfin, on l'a déjà ramené. Voilà, j'ai ramené l'œuf. Ah voilà, donc tu as tenu ta promesse. Donc dépêche-toi et donne-moi la Secret Stone, s'il te plaît. Ok, ok, la voilà. Yeah! Les 7 secrets, le Secret Stone sont maintenant tiennes, voilà. Bon, voilà. Bon bah écoutez. Maintenant, que faire? Je vois pas... Enfin, on va aller voir le principal de l'école parce que... Enfin, non, 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 je sais, je suis con. Le principal de l'école, il s'en fout des pierres sacrées. Lui, il voulait qu'on trouve le... Comment ça s'appelle déjà? Le principal de l'école, lui, il voulait juste qu'on trouve notre... comment ça s'appelle déjà? Oui, notre preuve, là, notre fin d'examen. J'ai plus quelle connerie, bref. Notre certificat, voilà. Donc, ce qu'on va faire pour les pierres, maintenant qu'on les a, c'est qu'il faut aller voir la montagne des sages. Parce que, souvenez-vous, il y avait un... Apparemment, fallait aller avec toutes les pierres là-haut et on pourrait faire un souhait. Donc, c'est là qu'on demandera le certificat. Donc, écoutez... je vais y aller, mais pour vous, je vais vous faire une coupure parce que c'est un peu abusé sinon. A tout de suite. Donc voilà, les gens, on se retrouve à l'école. Bon, on va aller voir le principal, tout simplement, et on va voir si... Mais qu'est-ce que je suis con ! Je dis qu'il faut aller à la montagne des sages, et moi, je persiste à vouloir aller voir ce putain de principal, hein ! C'est un truc de ouf ! Bon, bah, je suis désolé d'avoir mal fait mon coup. Encore une fois, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai avec le principal, hein, mais j'ai besoin d'aller le voir, hein. Bon, bref. Au moins, on a fait la moitié du chemin vu qu'on est sorti de la grotte. Donc, bon, maintenant, la montagne des sages, on va y aller. Fissa, fissa. Hop, on ride, allez, bon, là. La montagne des sages, faut aller à là où. Bah, non, on peut y aller direct, je suis bête. Voilà, on vole sur un écureuil, c'est génial. Voilà. Donc, du coup, dépêchons. Hop, c'est par là. La montagne des sages, ça va aller super vite avec l'accélération plus le machin qui permet de finir les combats sans les commencer. Radez-moi ça. C'est pas jouissif ça. Et Colibri, je te fais une bise sur la fesse là parce que putain. Oh là 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 là. Oh là là, c'est jouissif. Ah voilà, ça c'est ce que je veux quoi. Un jeu comme ça, c'est très bien. Bon, j'exagère mais voilà, vraiment ça m'aide beaucoup. Merci Colibri. Bon, du coup, on arrive à la montagne des sages. Elle est faite. Ouais, bon, on est sur le champ de fleurs des sages. Ah, les 8 secret stones, j'en ai que 7. J'en ai que 7. Ah, la 8ème pierre, elle est à notre maison. Mais... Bon, faut faire une coupure, à tout de suite les gens. Voilà donc les gens, donc là on se retrouve à la maison de Arles et on va rentrer dedans pour voir ce qui s'y trame. Arles. Un combattant vient juste de passer enfin vient juste de venir un enfant appelé Skyfish Junior. Voilà, tu as battu mes chers compagnons, la prochaine fois. C'est moi que tu combattras. Demain matin, au Magical, enfin au Jardin d'Enfants, sois là.
Il y a quelque chose dont j'ai besoin, donc running, fin. Et ouais, il y a quelque chose dont j'ai besoin, donc courir, fin. Fuir sera inutile. Streetfish Junior. Ouais, bon, est-ce qu'on est prêt pour le combat, blablabla. Non, enfin je veux dire oui, enfin je veux dire, ce garçon a créé le gang des Skatefish et de nothing but bad stuff. Ouais, bon, il a fait des conneries, donc en gros on l'a puni, je vois. Ouais, bon, blabla, so, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais bien sûr y aller. Ah, je vois, juste, ne fais pas de trucs stupides. Donc va dans ton lit pour l'instant, jeune femme. Ok. Voilà, on fait un gros dodo. Ah, réveille-toi, tu n'as pas un rendez-vous aujourd'hui? Oh non, j'ai complètement oublié. Voilà, et on doit aller au jardin d'enfants. Bon bah putain, finalement c'est tout simple ce qu'il faut faire une fois qu'on a trouvé les 7 gemmes. C'est cool. Voilà, ils ont pas trop fait leur relou. Du coup, attendez par contre. Non, c'est pas ça que je voulais voir, c'était la carte. Voilà, maintenant la gemme est au jardin d'enfants, ok. Du coup, alors attendez, par contre, dans le jeu en fait, je vous explique, il y a une quête annexe, c'est la quête des souvenirs. On récupère des souvenirs qu'on achète dans les Curie Hut, donc les magasins, et faut les ramener à la mer de Arles, donc je sais que j'en ai sur moi, je vais vous les montrer. Je les ai récupérés hors vidéo en les achetant dans une maison random sur le chemin. Voilà, c'est ça, c'est le Wolf Tales, donc la queue de loup, un souvenir, et. La Dark Jug, un souvenir aussi. Je les ai achetés dans le village des Wolf, mon cul. Donc faut les ramener à la mer de Arles, voilà. J'en avais eu d'autres avant, mais je les avais déjà ramenés par Maygard. Donc voilà, je lui ramène. Ah, on peut pas les ramener parce qu'il y a le... Ok, d'accord. Moi, je peux pas les ramener parce qu'il y a le tournoi. Enfin, le truc à faire avec l'autre, là, c'est le fils junior, mon cul. On va y aller en accéléré, d'ailleurs, parce qu'on a des oufs. Mais ouais, je pense pas la finir la quête de la quête des trucs annexes là, enfin des souvenirs à ramener à la mer de Arles. À moins que ce soit obligatoire, mais bon, ça m'étonnerait. Je suis ici, Skatefish Junior. Ah, tu es vraiment en retard, Arles. Tu as probablement shimming, je sais pas ce que c'est, to make me. Quel est ton problème, monsieur, de m'irriter Voilà, en essayant de me faire perdre mon pouvoir de concentration, mais je vais pas me faire avoir avec un plan comme ça. Hé, hey, t'es bizarre. Tu parles tout seul. Peu importe. voilà, là, bon, voilà, on est venu, il y a un lieu de fuir, c'est cool. Donc maintenant, on se bat. Alors, on a les secrets de stone. Hein. Comment tu sais ça? Je sais tout. Ce n'est pas tout ce que je sais, plutôt. Il a une secret stone. Donne-la moi. Vite. What? What? Vous avez vu ce qu'il vient de dire? Il vient de traiter Arl de fils de pute! Choqué je suis. On va faire une save set. Mais waouh, putain, il vient de m'insulter de fils de pute là! Merde! Et Arl lui a répondu, je suis pas son of a bitch, je suis Arl. Elle a pas compris, c'est marrant. Bref, dans tous les cas, on va le... C'est un poisson, donc je suppose qu'il craint la foudre, on va se booster un coup déjà pour voir. Yakiota. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il s'énerve? Bah moi je te lance une foudre, hein. Allez! J'espère qu'il n'y a pas d'attaque direct parce que je voulais directement l'attaquer en fait. Moi je suis très offensif. Ouf, ça m'a. Oh, il a pas l'air balèze. Ça va, il a pas l'air balèze. Ouais, bah écoutez. On... Voilà, Diakyoto, il me tape, c'est cool. Je vais me foutre 3 Diakyoto. Et après, je vais tenter. Ah merde. On change la technique. Pas 3 Diakyoto, 2 suffira. Par contre, on accélère un coup. What the? Ne meurs pas, ok, cool. Du coup, là je vais. Ah, c'est bon, elle est pas en. J'ai eu peur, j'avais dit non. C'est bon. Alors, je me soigne. Je vais me re-soigner. Ok, parfait, elle va bien. Alors, du coup, on va se booster.
Voilà, on va attaquer. Ah, il commence à se vénère. Du coup, nous, on va le rendre teubé. Voilà. Hein? Putain, quand on le rend teubé, il nous monte la sacred stone. Chelou. Bon, en tout cas, moi, foudre. Ah, ah. Non, ok, il recharge sa technique. Bon, bah, écoutez, bah, voilà, je fais en boucle la même chose. N'empêche, c'est chaud quand même de se dire que l'équipement ultime, entre parenthèses, c'est un truc qui s'achète simplement dans des shops random. Vous avez vu que j'ai fait tout le jeu avec la même chose. C'est le bâton qui me rend ma magie aléatoirement, et qui est ultra pété, hein, parce qu'il le fait vachement souvent, mine de rien. Un peu trop souvent même. Et, comment ça s'appelle ? Le truc, enfin la bague qui des fois aléatoirement augmente les techniques que je lance, c'est ultra pété, hein. C'est vraiment les techniques les plus pétées à mon goût. Là par exemple, vous voyez, la bague n'a pas augmenté ma technique alors que depuis le début du combat elle faisait. Donc c'est bien pour dire qu'elle est pétée, quoi. Le skatefish est long à battre, dis donc, pour rien, je trouve. On va se soigner un coup. On recharge sa technique. Putain, il sait faire que ça de charger, moi. Je te rends con, moi. Et je t'attaque. Ok, à moi si tu veux. Un diacute. Donc là, un foudre. Et voilà, il est battu. Yeah. Oh, c'est quoi cette petite pause toute Swiffy, là? Swiffy, ça ne veut rien dire, mais j'aime déjà ce mot. Tu m'as battu. Prank, je sais pas ce que ça veut dire, mais tu dois refléter ton prank, donc je sais pas ce que c'est prank. Voilà, si tu refais des bêtises, je te punirai encore. J'ai compris. S'il te plaît, pardonne-moi, j'ai été un mauvais garçon. Très bien, donne-moi la secret stone. Très bien, prends-la, blablabla. Je vais maintenant retourner chez moi. Yeah! C'est quoi ce bâton qu'il a à la main? C'est peut-être parce qu'il va prendre un bateau, genre péruvien, tu sais. Enfin, péruvien, de la merde, mais c'est pas grave. Et j'ai eu la dernière secret zone. Arles, tu as été si cool! Tu as battu le Skatefish Junior. Je ne te demanderai plus jamais rien d'inutile maintenant, mais... j'ai une lettre à propos de ces gemmes aussi. Hein? Pas sûr d'avoir bien lu là. Ouais, moi dans tous les cas faut aller à la Sage Montagne. Bon bah voilà. Bon bah les gens, à tout de suite, je fais une coupure pour nous. Voilà, re les gens, on se retrouve pour juste après cette coupure à la montagne des sages, donc allons-y. Voilà, on va enfin voir les fées qui vont nous dire... Bah, on va avoir le droit à notre souhait, quoi, voilà, c'est surtout ça. Alors, oh, tu as trouvé les huit pierres secrets? Cependant, nous avons certains problèmes pour le moment, et ton souhait ne pourra pas t'être offert. Donc, dis-moi la vérité. Est-ce que it's because the other spirit... She'll ask him... Donc dis la vérité, c'est car les autres esprits ne sont pas revenus. Anodic, il faut essayer d'aller chercher une Dark Flower au champ de feu des Dark Flowers. Et ils seront sûrement là. Désolé de te demander ça again, mais est-ce que tu peux la... Désolé de te gêner, mais est-ce que tu peux regarder pour moi? Voilà, en gros c'est... En gros, on est un putain de pigeon d'RPG, quoi, merde! Faut arrêter, bordel! Ça va, c'était marrant 2 secondes, mais là, je commence à en avoir un peu marre! Je vais à gauche, je vais à droite, je retourne à droite, mais arrêtez, les mecs! Attends, comment j'ai pu retourner à droite si je suis déjà à droite? Y'a un truc pas logique dans ce que j'ai dit, mais bref, on se comprend, j'en ai marre! Arrêtez de me faire aller à gauche, à droite! Je sais qu'on est dans un RPG, mais quand même! Putain! Non, mais... Bon. Ah, voilà. Bah, je fais une coupure à tout de suite. Donc voilà les gens, on se retrouve au champ de fleurs. Donc j'étais pas sûr que j'y étais, mais si, j'y suis bien. Et justement, un event se lance. Donc l'esprit de la terre. Ah, qu'est-ce que tu fais? Bon bah apparemment il a de la chance, on arrive au bon moment.
Heureusement que j'avais l'accélération, sinon j'aurais mis plus de temps, imaginez. What, c'est quoi ce truc? Ah, un esprit. Ok. Est-ce que je peux récupérer l'esprit? Non. Rends-le! Pas possible. J'ai dit, rends-le! Dieu, tu comprends rien? T'es persistant, t'es qu'à persistant petit... Ah, il nous fait chier, quoi, merde! J'en ai marre! Je commence à être à bout, putain. Alors, bon bah, Diacuto, pareil que d'habitude. Oh. Il m'attaque, c'est génial, je me booste, oh, je suis trop content. J'adore me booster, ça m'excite. Voilà, je me rebooste, il me retape. Oh là là, Diacuto niveau 2, tu vas prendre cher, mon coco? Hein? Il peut fail? Alors bah ça, c'est la première fois que je vois ça. Putain. On va tenter, juste, voilà, je sais, une petite triche. Hop. On va tenter... What? Mais il est vénère, lui! Ah, dommage qu'il marche pas, dommage. Parce que J-Gem, je pense qu'il aurait one-shoot. Hein. J-Gem, c'est tellement pété que je vous le dis, ça peut one-shoot. Hein. Bon bah écoutez, tant que je... Je commence pas à voir ma vie qui fail, moi je vais continuer à booster mon attaque. Voilà, là ça commence un peu à aller mal. On va retenter à J-Gem. Judgment! Toi t'es pas content. Donc tu veux pas le faire, dommage. Ça m'aurait permis de le one shoot. Bon bah une attaque de foudre. Voilà, bah il est battu, bah c'était une merde, hein, tout simplement. Ah, j'ai été effrayé. J'ai pas besoin de rester ici plus longtemps. Je vais revenir, je vais retourner chez moi, quoi. Enfin bref. Ouais, elle devient puissant et du coup faut retourner à la montagne des sages, je suppose. Attendez, mais c'est une blague. Mais c'est quoi ces putains d'allers-retours qui me font faire là? Arrêtez les mecs. Mais non, mais ça c'est quoi l'utilité de ça? C'est quoi l'utilité de ce passage? Faut le dire, merde. Sans déconner, putain. Bon ben, à tout de suite les gens. Donc voilà, relégeant. Ah, ça faisait tellement longtemps qu'on n'était plus venu à cette putain de montagne. Donc on se retrouve à la montagne, voilà. Donc on va voir maintenant les fées, vu qu'elles sont là. On va voir ce qu'elles nous disent. Alors, vous êtes contentes, vous êtes tous les deux? On peut commencer la cérémonie maintenant. Ah putain, ouais, c'est good ça. Oh, putain, elles ont fusionné. What the fuck? Très bien. Fais ton souhait face à la boîte au trésor qui est placée ici. D'accord. Enfin, plutôt front. Je sais pas trop si ça veut dire front, mais ouais, l'intérieur sûrement. Bref. Donc allons-y. Ah non, ok. Où ce que tu voulais se trouve dans la. Ouais, bref. Je suppose que c'est la boîte au trésor. Très bien. Ouais, fais son souhait. S'il te plaît, donne-moi mon final examen certificat, please. Le final certificat est à l'intérieur de la boîte. Et tu obtiens le final examen certificat. Voilà. On va le regarder quand même. Oh, elle est sympa la zone. Il est pas sur notre... Ah, il est là. Certificat. Tu peux maintenant passer le dernier examen. Oh bah c'est génial. Loup. Qu'est-ce que c'est alors comment c'était? Est-ce que ton souhait a été donné? Oui, j'ai eu ce que je voulais. C'était le final examen certificat. Bien, tu as eu ton souhait. Je sais pas, c'est marrant. Ça me fait marrer la scène en fait, c'est que ouais, tout se passe comme ça quoi. C'est tellement simple en fait. Avec ça, tu peux compléter le rituel. Voilà. Bon, c'est cool. Bon bah, faut retourner voir le principal maintenant. A tout de suite les gens. Donc voilà les gens, on se retrouve à l'école. Eh putain, mais c'est quoi ces putains d'aller-retour qu'ils arrêtent pas de me faire dans cette vidéo? Vous avez vu ce boost de durée de vie de merde? Je commence à en avoir un peu marre. Mais bon, on arrive à la fin du jeu en même temps là, ils ont bien trouvé comment le rembourrer un petit coup, on va dire les développeurs. Donc allons voir le principal et on verra ce qui se passe.
parce que j'ai pas d'autre idée là en fait. J'ai le certificat, c'est ce pourquoi on a commencé notre aventure. Et voilà. Voilà, voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à me dire. Bonjour, monsieur le principal. Salut, Arl. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Ça, j'ai trouvé le certificat du final examen. C'est très bien, bravo. Tu as vraiment dû travailler dur, n'est-ce pas? Hi you. What? Encore lui? Arg! Quoi, principal? Ça fait un moment, Arl. You were a Andrans to me before. Tu as été une Andrans, je suppose que c'est un truc genre une peste, voilà, pour moi avant. Enfin, on l'a fait chier, quoi. Divol! T'es persistant. Je t'ai déjà battu. Tais-toi, tais-toi, tais-toi! J'étais malade la dernière fois. Tu m'as eu par surprise. Et cette fois, tu vas perdre! Dra, tais-toi et meurs! Bon, bah voilà. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est un vieux style, bref. My job, oh là, j'ai pas le temps de lire, du calme les mecs! Bon, bref, en gros, il a un nouveau design quoi. Hein? Je crois qu'elle dit que dans 10 ans, elle sera magnifique et sexy. Voilà, il a mis 100 millions d'années pour devenir le plus cool de la Terre, je crois. Et ça y est! Bon, en gros, il va nous péter la gueule. J'avoue que ces phrases-là, j'ai pas trop le temps de me concentrer pour les lire. En plus, là, je connaissais pas tous les mots qu'il utilisait, donc bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis pas une bête en anglais, hein, vous avez vu que je me démerde, mais ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment le strict minimum. Durant parlant en anglais, si vous cherchez des bons jeux à vous faire en anglais, vraiment, je vous conseille, mais à bras ouverts, Devil Survivor. Enfin, moi je l'ai fait sur 3DS, mais il est aussi sur DS. Mais sur 3DS, il y a des doublages et rien que pour ça, il mérite d'être fait sur 3DS. Parce que c'est un putain de jeu, c'est un gros coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce jeu, c'est fou. Il était énorme. Donc voilà, on est face à Devil. Et puis c'est tout, on va lui péter la gueule. Dada, dia, dia. Hey! Lui aussi, il a les mêmes magies que nous. Ah, il me fait peur. En fait, c'est un peu comme si on affrontait un clone de nous, quoi. Il peut aussi faire des magies lambda. Il se booste aussi en plus, j'aime pas trop ça. Je serais bien tenté de l'arrêter là, mais... Oh non, j'ai fail. Et lui, bien sûr, je suppose qu'il a pas fail. Hein. Ah, c'est bien ce que je pensais, c'était trop pour être vrai. Du coup, on va... Eh. J'ai envie de tenter un judgment. J'ai envie d'en tenter un. Ouais, bon, c'est pas ce que je me disais. Le judgment, c'est beaucoup trop rare de le sortir, quoi. C'est abusé. Du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de technique de feu, donc hop. Fire! Il a l'air d'en souffrir en plus, c'est cool. Putain, ça m'aurait fait marrer qu'il soit déjà one shoot. En fait, il paraît balèze et tout et puissant, mais en fait, il est tout naze. Ah! Eh, hey, mais c'est des techniques de feu basiques! Mais t'es naze! Mais t'es nul! Non, mais après la Mandrake Flower, j'ai envie de dire là, il me fait pas peur. Hein. Du coup, on se booste. En fait, lui, il fait pareil que nous, il se booste. Quoi. Et ensuite, il attaque. Comme quoi, enfin, un boss pas con dans le jeu. Hein. Voilà, 3 Diakyota. J'ai envie de tenter un Judgment. Étant donné que les combats sont pas durs et que le Judgment c'est un one shoot officiel. Bon, ok, ça marche pas, dommage. Bon, donc on va lancer de la glace ce coup-ci. Ah, it's a style! Ah bah voilà, il est battu. Mais t'étais naze, putain! C'est triste en fait la vie. Alors pourtant, il y a des boss qui me font galérer. Et je gagne encore des levels alors que je suis au max niveau stat, hein, logique. Merde! Juste attends, la prochaine fois je te battrai, c'est sûr. Je te battrai encore la prochaine fois, nia! Et toutes les autres fois d'ailleurs, bref. Monsieur le principal, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est juste une égratignure. Vraiment? Oh, ça avait l'air de faire si mal. Ah, très bien, oublie ça. Le dernier examen est demain, donc s'il te plaît, va chez toi et repose-toi. Kaiho! Eh bah putain, Légion, ah voilà, le dernier examen est en approche. Je crois que ça veut dire qu'on a bientôt fini le jeu, si je dis pas de bêtises, donc écoutez. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce qu'on a...
le professeur t'attend au sud du kindergarten, ok. Ouais, bon, fais ton meilleur pour cette super journée. Là. Passe une bonne journée, fais ton meilleur. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on... 40 minutes, on va s'arrêter. Là, c'est parfait, hein. La durée de la vidéo est parfaite. On a vraiment géré niveau timing, tout ça. On a bien été vert aussi. Et de la prochaine vidéo, on passera le final examen. On verra enfin ce que c'est, putain. Donc alors, attendez. On n'a pas des souvenirs, alors. Putain, peut-être qu'en fait, maintenant, c'est trop tard. Peut-être qu'il faut le faire que pendant un certain temps, c'est le cas de des souvenirs. C'est dommage. Donc écoutez, les gens, on va s'arrêter devant notre maison. Et puis, bah. En la prochaine vidéo, bah, écoutez, ce sera peut-être la fin, je ne sais pas. En tout cas, sachez qu'on s'en rapproche à grands pas. Et puis c'est triste, mais bon, c'est comme ça. On va voir notre stade vite fait. Parce que voilà, on voit que ça peut bien ne pas aller à plus que le max. Que bon, ça sert à rien de gagner encore de l'XP. Bon, on voit aussi que j'ai pas encore les magies les plus puissantes. Donc je sais pas si je les ai pas trouvées ou si le seul moyen de les avoir c'est d'avoir la bague que j'ai équipée. Peut-être qu'elles sont à l'endroit où on fera le final d'examen, je sais pas, on verra bien. En tout cas, bah voilà. Voilà, j'ai envie de dire là le jeu, je suis à fond, je peux rien faire de plus. Donc dans la prochaine vidéo, on passera l'examen final. Donc les gens, écoutez, on va faire une sauvegarde avant de quitter. Parce que... Save Kodaya. Voilà les gens, écoutez, moi sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, m'aura bien plu parce qu'on aura bien avancé, il sera passé plein de... Enfin bref, c'était l'éclate. Donc je vous dis salut à tous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les gens. Ah, et une fois que j'aurai fini ce Wokfu, bah sachez qu'une nouvelle annonce s'ajoutera à l'annonce que je devrais déjà vous faire de base. Et une bonne en plus. Voilà, j'ai un peu déplacé la fenêtre, bon pas grave. Et une bonne, donc, bah voilà, j'ai envie de dire, vous avez de la chance. Ciao.